mercredi 4 septembre, non? La police refrappe encore Pirette dans Badelma. Gen plusieurs présumés bandits tombés et qui ont fusil M4 que la police rive saisi. M'am grand bien pour nous. Dans la journée de mercredi 4 septembre 2024, là. Différentes unités spécialisées dans la police, non? Qui dans l'opération, yo. L'armée d'Haïti, officier Kenyan, yo. Monsieur yo rive pose, alors rive dans Boukate Koudzam avec divers bandits. Dans le niveau Badelma, gen pou pipiti dans la vidéo que moué yo, gen de pot 3 bandits dans l'image que moué yo. Qui tombe, ça tombe avec valise sous yo, avec valise qui met plein balle là-dedans yo, mais la police rive saisi yon fusil M4 nan menèg yo. Ça veut dire que opération kap mené dans le niveau Badelma dans le moment, dans Bel Air Solino, semble se coupé souffle lié. L'aime dit coupé souffle, ça veut dire c'est coupé souffle barbecue, c'est coupé souffle kempes et permettre que yo libéré, yo pacifié dans niveau Badelma. Zami internautes nous yo. Jacques yon plus moun capable ap gade ap tande. Selon journal Miami Herald, selon ça apprend que États-Unis envisagé pour capable transformer mission multinational soutien sécurité à Haïtien en une mission Nations Unies. Ça veut dire en une mission onusienne pour permettre que yo capable plus moyen, plus matériel avec mission 1 qui pour permettre que yo capable remplir avec mission comme ça droit. Ça veut dire question qui te dit bon côté officier kenyan qui te dit que nan jou ka vini pa gen opération en l'air, opération sous la mer, opération à terre côte bandio, ben ça pral commencer à travers ça pral dit que une fois que transforme mission ça en une mission Nations Unies. Jodi an peuple haïtien zil bouke, jodi an peuple haïtien zil li a bout de zami internet nou yo. C'est vrai que des moun qui nous a dit que opération pas seulement mené dans niveau Badelma. Opération pas seulement c'est barbecue certes, mais je dis l'État à travers porte-parole a clairement dit que yo pas gagné assez moyens pour ta permettre que yo mené opération sur divers espaces en même temps. Comment ça veut dire? Ça veut dire il a essayé garder au fur et à mesure comment capable gérer une situation, un espace et après ça pour avancer l'autre côté encore amis internautes nous yo. Bye barbecue cette vidéo non? Désir, barbecue vidéo avec aujourd'hui. Ah non, par contre, si monsieur, ça passe, non, barbecue aujourd'hui, à Désir. Barbecue semblait en congé, Blaise Peterson. En congé. Force de l'audio a avancé avec force. Il a pesé sur accélérateur. Lui permettre que barbecue n'a pas cassé. Et Blaise Peterson, CSPN, à gros commandement, force multinationale. Il a pas assistant Chita pour discuter sous meilleur moyen pour opération qui a mené dans le quartier Belay, Solino. Fond national, Badelma. Et Blaise Peterson, tant qu'on s'y allait, divers bandits valaient à des naissances. Gagne yon pren à toutes âmes nommé. Gagne yon pren ce second qui avec valise chargé cartouche dans dos. Et la police qui décide qui te optimé l'ordre, qui te bail l'ordre avec monsieur yon, pour yon te camper, pour yon te déposer âmes, levé mais en l'air, yon pas l'étendre, c'est dans l'échange qui yon avec la police. Et bien la police, selon information yon, et en légitime défense, la police mettait à cassant non et mettait six ou sur à cassant nègre, mettait six sous bonbon nègre. Jusqu'à présent, opération a avancé l'expédition. Département d'État américain montre que yo dans situation très difficile. La question financement mission kenyan en dedans pays d'Haïti. Parce que ensemble pays sans doute qui te fait promesse, l'expédition n'y a pas répondu. Et ben ça permet tant que ce dit là, y a réfléchir. Qui j'en yon kab transformé mission sa en yon mission onisienne qui kab permet ki yon jwenn pi bon ki choye. Blaise Peterson, nan conseil gouvernement, premier ministre, Dr. Gary Kony, te réalisé nan date 3 septembre 2024 la, eh bien, yon décidé et importance que yon gen yon mette, Blaise Peterson. C'est dans ça qui vient pour avec bataille, combat contre insécurité. Son premier ministre te dit, nous pi près au lien pi loin, malgré le qu'on est pour résoudre le problème de sécurité à la grande titan. Il y a un combat qui l'ensemble dans le pays a, contre corruption, contre grand banditisme, et bien ILCC continue à troubler sommeil, nek ak femme, rodinité, qui te fait partie de l'administration publique, qui te détourne en pile l'argent de l'invitation. Nous pas complices, écrit et situation qui a passé là. L'idée décrit comme un bon pas, surtout dans la décision ILCC prend
pour traquer, pour voir devant la justice. Ils ont ensemble personnalité qui était dans l'État, qui blanchit, on paquette l'argent, nous pas complice, bat bravo pour ça. Donc, pas questionner qui Jean, yo bat bravo et pour qui ça, yo bat bravo et à partir de qui ça, yo bat bravo. Pour efficacité, bataille contre corruption dans le pays d'Haïti, il dépend des révisions, décret 8 septembre 2024 qui était créé ILCCA. C'est peut-être ça. L'important pour nommer un monde compétent, sans parti pris, honnête, comme chef institution si là, avec un mandat pour au moins 10 l'année. Li nécessaire tout pour garantir indépendance la justice dans bail et commission dans bail commissaire gouvernement yo mandat 10 ans tout pour capable continuer faire travail yo les personnes. Modèle situation qui gagne en dedans pays a, li paraît très difficile, li inquiétant. Blaise Peterson, les États-Unis prend très au sérieux. Trois Gotoro qui dans conseil présidentiel transition dans dossier scandale corruption BNC. Quelques temps avant visite Anthony Blinken dans pays d'Haïti, chef diplomatie américain, assistant secrétaire d'État américain ou émissaire l'Ouest dans États-Unis et Brian Coles, li pratiquement blessé personne encourager autorité haïtienne immédiatement. Yon enquête pour établir responsabilité conseiller présidentiel yo nan scandale corruption si la. La vizibar la papiti. Baga pron l'autre dimension. Blaise Peterson songe, Anthony Blinken ap rentré pendant journée nan pays d'Haïti. Li pratiquement ap gen pour le rencontrer avec premier ministre Dr. Gariconi. La gen pour le rencontrer avec actuel coordonnateur président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Sous qui ça va discuter, sans doute c'est sous question scandale corruption, sous question sécurité, insécurité qui gagne dans le pays et exigence pour élection organisée Blaise Peterson. Et songez, Anthony Blinken pas prêté dormir en Haïti. Là bien pour fond coup tête en République Dominicaine tout, selon information qu'en jeune Blaise Peterson bon côté ensemble confrère à conseil yo cap fouiller zo dans Kalalo. Blaise Peterson, SNGRS, SMGRS, c'est youn nan institution qui impliqué dans cas scandale yo, EDH impliqué dans cas scandale yo, PNCS impliqué dans cas scandale yo, ONA impliqué dans cas scandale yo, même Jean diplomatie haïtien qui chargé corrompu qui la dans nan beauté l'argent tout partout pour arranger les affaires pa yo. Même déclaration et patrimoine que moun sa ou bay, c'est faux déclaration patrimoine. Nan opération que la police a mené au Blaise Peterson, yo pas seulement vide bandi a terre, mais opération permet que yo maré des nègres qui pratiquement entré dans trafic de drogue pour vendre avec bandi. La police a arrêté Ronald Toll pour trafic de drogue 3 septembre passé à force l'audio et mettait la patte sous toroa dans Ricapois dans Port-au-Prince. Agent BLTS yo joignent une quantité importante marijuana en possession qui estimé à 32.5 kg marijuana. Qui côté de Balavel pour qui est-ce ta potel qui ça t'a faire avec et dans moment en plus le monde qualifié comme moment et fragilité là pour qui ça c'est dans moment où c'était gain marijuana dans mel et pour t'a traverser avec les personnes. Jusqu'à présent la police a frappé dans rampayo depuis et kembe bandi yo kembe nek cap travail pour gang et puis l'autre bagarre qui au faire et n'a rappelé bien plusieurs policiers pendant semaine qui sont écoulés qui pratiquement arrêté et qui t'a fait partie des groupes gang, les personnes pour bailler les sons, ou dit tout l'autre policier pour pas rentrer dans gang. Si vous rentrez dans gang, c'est un mauvais chemin que vous faites, les personnes avec amis internautes qui branchent tout partout. Commissaire, gouvernement, juridiction, c'est Macla. Maître Vincent François, qui réagit sur un rapport que Fondation Géclair, FJKL, mettait dehors, qui responsabilisait commissaire gouvernement dans le cadre et évasion qui t'a fait dans la prison civile et Saint-Maclan, 16 d'août passé à côté, t'a gagné au moins 14 prisonniers qui t'ont mouru. C'est information autorité officielle de la ville Saint-Maclan. Eh bien, RJKL vient avec un chiffre 19. Selon le commissaire gouvernement, il fait quoi? Vous voulez parler de Maître Vincent François, il déclare des personnes. C'est un rapport qui monitoring par volet tête, par politicien corrompu qui ont la loi dans la juridiction parce qu'il y a 10 ans depuis la servi. Mounio, dans la juridiction, il était substitut et il a 21 mois depuis le commissaire principal. Et bien, c'est ça qui à la hauteur qui permet que y a servi avec question évasion pendant lui-même, il pas même là et il voulait accuser la question ça avec personne. Nous allons analyser, nous allons questionner, nous allons regarder l'opération qui a mené pratiquement dans Port-au-Prince et l'autre sonio, pas oublier que Gandos l'a frappé tout.
toute zone qui gen opération qui a frappé yo dans département nord, dans nord-ouest, dans nord-est, la police a frappé, la police motivée on peuple surtout avec Vini Gleispersson et Nomi Rameau comme directeur police nationale d'Haïtia ou Takadi. Que policiers ont senti dans bien, policiers ont senti dans peu, policiers ont senti confortable pour faire job la blessure. L'autre ça qu'elle n'a pas ajouté des Yvonnes que beaucoup de pam c'est que nous journée qui était mercredi 4 septembre 2024 là n'a dit que des Yvonnes que bien dans zone oui elle alerte zone Bossamba Arena dans zone ça qui pas trop loin village de Dieu qui pas trop loin zone 1er 2e 3e 4e 5e avenue Bolos mais moun t'est capable tendre en pile coup de balle qui t'a chanté dans zone ça des Yvonnes et en pile moun t'est capable remarquer tout c'était plus machine blindée et ben qui t'a gain présence on dit que et de policiers de soldats et des officiers kenyans qui étaient dans bloc là qui eux même t'a mené des opérations et pas des opérations parce que pas vraiment gain opération dans niveau et zone bisatunaire mais en attendant que la police et l'armée d'Haïti officiers kenyans fait entrer sortie par rapport avec et ça cap gain là et ça cap passé en bas et n'a rappelé des Yvonnes nous songer. Nous avons quitté mardi et 3 septembre. Nous avons réel roi, pas peu de choses. Nous avons plusieurs présumés bandits qui joignent Andy qui va à l'acte de naissance. Dans quatre interventions que la police a fait, dans bloc ça et M. Rivet est tombé. Et nous avons désir, selon le ministre des Affaires étrangères haïtien, Mme Dominique Dupuy, après que elle se fait une visite et bon se participer dans des activités dans le pays Brésil, il rencontrer autorités dans le pays brésilien et puis l'autre pays encore, il discuté sur situation Haïti et dans discussion qu'il fait sur situation Haïti et même pays étranger ou bien qu'en pile là capable de tremper dans situation Haïti en tout, mais il dit au bouquet finalement faut qu'il y ait une solution qui joigne avec situation que Haïti a connait là. Faut qu'il y ait une solution qui joigne définitivement avec la situation que Haïti a connu là selon ça fait qu'on est. Et qui donc, les que y a gardé ça qui a passé en Haïti là, y a quoi que Dieu qui volonté pour aider Haïti résoudre problème que la connaît là et des problèmes pour résoudre définitivement pour éradiquer problème qui est là et ça existe là comme situation amis internautes nous. Et n'a dit clairement désir venez. Et zami kap gade kap tande la yo. Que selon le ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy, il fait qu'on est que pays Brésil dit li prêt pour aider l'État haïtien surtout dans contrôler les frontières nous yo. Dans balbourat dans question droit nous yo, dans aéroport nous yo. Parce que Brésil, li son pays qui vraiment gen une spécialité dans question et frontières. Parce que pas oublier, selon ça, ministre Dominique Dupuy dit, en pile dans zam qui entre en Haïti, yo, yo transité passé par frontière yo. Donc aider Haïti nan aider contrôler question zam ak katch kabat ki nan pays an, li vraiment important selon ça qui dit bon côté autorité yo et selon ça qui dit bon autorité pays Brésil yo et qui dit au prêt, qui dit au paré pour aider Haïti nan permettre que yo gérer situation ça parce que je dis an, et pas seulement almener bataille contre question gang opération dans gang dans base gang yo mais tout faut des dispositions qui prend pour contrôler pour empêcher 24 potes à cartouche pour pas rentrer en dedans ghetto yo en dedans quartier populaire parce que sinon c'est laver mais essuyer à terre désir Venise mettez ça c'est une gros aide blessé personne aider civer frontière pour ça ne pas rentrer pour cartouche pas rentrer ou connait qui plus gros avantage que ça a gain blessé personne. Nèg yo gen zam yo nan men deja. Haïti pa fè katouche. Si yo pa jwenn katouche, zam yo pa menm gen valè on roche. Ça veut dire un pays qui décide aider, qui décide bay support nan ve frontière yo, nan ve espace kote zam a traverser pour entrer dans pays a, c'est une aide, c'est une support, nous doit considérer comme gros aide qui a bay nan ka pou capable résoudre problème sécurité qui gen la belle situation. Désir mon quoi est certain que zami k'ap gade émission ça nan moment k'al fou vérité yo k'ap gade sou écran en bas écran côté que kon vidéo qui viral sou li son vidéo la police qui an di répond en k'ap mené opération capable wè policier k'ap déployé et policier squad UTAC et BRI k'ap déployé nan plusieurs côté OK Udmotou boy tout bagay sa yo. Et ou après nan même vidéo ça gon côté que qui écrit qui dit que la police, non, li pa la
pas gué pour exposer cadavre. La police là, pas gué pour exposer cadavre. Et c'est on met ça au même d'oublier désir. N'apprendre que selon ça que n'apprendre de soucis, gagner une décision que semble CSPN n'en prend pour empêcher que son drone rentre en Haïti. Même dit drone, ça veut dire que on individu ou dit mais est-ce que un particulier acheter drone voyant en Haïti. Ça c'est une décision qui à peine venue nous de sous ce que nous faire confiance autorité dans l'état à travers CSPN non, il a prendre il a peine prendre ça. Cette histoire comme si on est arrêté là voyer un drone comme si on achetait un drone sophistiqué là voyer avant haïtien là parce que en pile restriction sur ça parce que il estime que question drone ISO il vraiment pas être il déranger la police non et il a prendre de disposition tout pour yo et que contrôle question drone ISO en pile froid mettez en les têtes force de l'audio. Bon ça c'est des détails que on va pas rentrer là-dedans. On va juste bagaille. Quoi que Blaise, on croit que et tu gagne ensemble policier, tu gagne ensemble militaire dans l'armée d'Haïti qui t'a grand formation soit Mexique sur question ça. Yo que moyen pour faire descendre drone ISO à utiliser. Yo que possibilité pour faire ça. OK? Parce que c'est ça que fait Kenzi dans section communication la police là, il besoin garder section communication en technologie qui va permettre que travail yo plus efficace et bail plus bon résultat. OK? Pour moi même parce que c'est une bonne décision si gen drone sophistiqué qui va rentrer en dedans pays à surtout dans moment crise, l'état doit c'est la police qui commande ou bien l'armée ou bien l'état qui commande n'importe citoyen pas qu'à m'écrire pour faire commande des drones sophistiqués de longue portée et ça ou pas connait qui ça qui on va faire avec. Et surtout nèg qui dans secteur privé des affaires qui arrange yo qui gè contrôle insécurité a nèg qui dans politique yo dans politique traditionnelle yo gè contrôle insécurité a et c'est même yo même qui arrange yo surtout dans volonté que la police gè là pour utiliser des moyens aériens pour capable permettre que la police et soit victime dans cette opération qui a mené pour cap démotiver policiers parce que CSPN ça qui organise ça il correct et surtout sur point ça des situations. Exactement. Et moi ça m'a dit à des gens mon cap garder la cap vivre États-Unis, cap vivre Canada, cap vivre la France dans de l'autre grand pays toujours. Gagne espace qui gagne ça ne relais l'état contrôlé téléphone drone pas voler. Gagne espace. M'a parlé m'a pris exemple États-Unis. C'est comme États-Unis vraiment veut impliquer dans question insécurité en Haïti, yo que de appareil si yo permet avec force de l'audio pour yo utiliser là quel que soit drone que yo gagne, li pa ka voler. Par exemple, imagine la bo palais national drone ISO en les têtes à contrôler comment nèg a USGPN a déployé. Non mon cher, ben comme ça mon cher, les zones bois palais national, zone bois côté bois l'état ça en bas, c'est deux zones l'état, ça veut dire il y a metté restriction pour que rien pas qu'à voler drone et s'il le faut même téléphone, il n'a pas qu'à utiliser et qui a pas pour ça. Et ben c'est ça qu'a essayé prendre là comme des dispositions pour permettre que service communication je dis de policiers et de militaires qui t'apprend information dans le pays Mexique sous question ça les que yo retourner et game quoi qui est retourné pour que yo capable gérer situation ça les que encore vraiment pral gagner des opérations musclées qui pral ra possible mener en bas désir et m'ravine avec plusieurs réactions et surtout avec question rentrer Anthony Blinken en Haïti parce que concerne nous Sandra Lemaire qui fait un reportage sur ça. Bah ça va que casser Blaise. Non, m'a venir avec. M'a fait mon attendre, c'est prévu c'est mon attendre que c'est moi qui viens faire débat sur lui. M'a venir avec. Ce que Anthony Blinken a parlé des questions et toi nèg qui dans qui son conseil qui impliqué dans bagaille. Pour ça me fait comme débat là et comme approche que m'passe à plein monde qui est d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Pas oublier, moi avec Desi, je dis toujours que la police n'a pas de mission tout yé. La police a une mission pour protéger ses vies. Mais, dans le cas que un individu décide pour ne pas couper en bas l'ordre, force de l'audio, il décide
rentré dans tac au tac avec la police, force de l'audio. Laisse ça, policier ou bien force de l'ordre là, li pa gen le choix que réagit lui-même. Mais vous comprenez ça très bien. Parce que notre création, fondement la police là, mission c'est protéger ak sevi. La vie moun ak bien moun. Elle dit la police a la poule touye par la poule et comme si détruit. Et ça fait après la police souvent parler, les quelques jeunes garçons, quelques présumés bandits qui tombaient. Yo parler au dou et malheureusement c'est des moun jeunes garçons qui mortellement blessés. Elle dit c'est des bagages que la police les même tout en soi, les regrette ça arrivé hein. Parce que dans mission c'est pas pour touyer. Moi commence avec ça parce que moi connais gien pi moun k'a fait débat sur vidéo ça que moi désir venais que ne pas faire dire ne pas venir avec vidéo parce que pour des raisons restrictions sur et que YouTube a bail même k'a fait débat sur parce qu'en pile dans nous ouais. OK et nous ka remarquer plusieurs quoi jeunes garçons sans vie en dedans de Chablendi. Et jeune garçon qu'on sent vie ça yo. Mais ça est français, mais qui mouri. Et j'aime te dire tout à l'heure, ces jeunes garçons qui tombé n'a boucanté coup d'zam avec force de l'audio. Il dit nego tap tiré avec la police dans zone Badelma, nego pas décidé de tempérer et bien force de l'audio on dit la police, l'armée et puis et officier kenyan yo nèg yo réagi. Ça veut dire force de l'ordre réagit et jeune garçon ça yo même yo rivé et mortellement blessé pour me répéter parole la police policier yo. Et qui ça vous fait à côté de jeune garçon ça yo ou après la police gè des textes qui dit que on dit équipe jeune garçon ça qui n'a gardé qui mortellement blessé yo nèg yo t'assemblé gè un fusil M4 qui était dans mais yo. Bon bien. Et nèg yo t'assemblé gè un fusil M4 qui était dans mais yo. Et nous capable à travers ti vidéo ça yo gagner qui yo même avec valise sous dos yo c'est ça pour nous comprendre non association en équipe là c'est pas tout qui des âmes c'est chaque bon mission au fait chaque bon rôle que au jouer et chaque tout capable un calibre zam que le poté né qui pi solide là né qui pi violent li ka gen pi gros zam nan nan men parce que il ka manevrer gen nèg tout ki nan équipe lan li la pou le pote charger ki plein balle la dan lè ke charger nèg kap tire yan balle li fini charger balle li fini rapidement li balle li courir al charger nan valise li balil pou le capable remettre l pou le goumen ça dit nèg ça li pa gen mission pote zam émission nèg ça au second blesse bon m'pa konn jagon yo. Non, moi c'est comme ça m'entend de nèg yo relé yo parce que le département la Tibonite chargé gang là dedans. Comme ça m'entend de relé yo. OK. Ça veut dire que gien de nèg c'est pour c'est comme ça oui. Gien qui a porté valise sous dos yo. Gien nèg qui a fait antenne. C'est annulé tout terrain. Gien nèg valise qui dans dos là, c'est cartouche qui la donne seulement, mais gien tout c'est chargé gien la donne. Et après nèg ça marcher côte à côte avec nèg qui gazam qui a tiré. Ça veut dire ça qui essaie comprendre selon en pile monde cap essaie garder vidéo image côté jeune garçon ça yo qui en dedans Chablendi ça que force de l'audio après nex fin boucanter coup d'âme avec yo et nex yo rivé tomber et puis yo récupéré cadavre nex ça yo et yo récupéré zam qui dans nex ça yo c'est parce que la police dans mes force de l'audio yo té en confiance côté otéen et yo rivé prend cadavre et yo rivé prend zam jaoudien fizi M4 saté nan menèg yo. Yo pa selon ça m'apprendre et selon ça qui m'ont comme information. Yo pa prend cadavre nèg yo pour montrer comme si et y a touyé bandi comme si pour comme si non et pas ça lié. Yo prend cadavre nèg yo parce que yo estime que nèg sa yo à travers téléphone yo à travers ça ou té gen sou yo et zam qui te nan meyo y a capable utile force de l'audio avec ça au ka jwenn comme information d'ailleurs n'a regardé à travers une vidéo là qui quantité et cartouche
que la police présentait dans la vidéo ça. Ça me les comprendre bien. Comme si, parce que pas oublier nous-mêmes nous là, pour nous faire éducation, mon yo. Je dis, moi-même toujours dis que, moi, contre toute forme de criminalité, parce que criminalité, je ne parle pas de moi-même, mais pour sécurité, pour la paix. Mais, est-ce que je dis, est-ce que peuple haïtien pour la paix? Est-ce que diaspora haïtienne qui lui-même, pas dans le pays, et qui attend de sa capacité en Haïti, et qui vient bien Haïti que le pays dit, est-ce que je dis en lui-même tout, les pour que la sécurité, et les pour que la paix en Haïti? Moi, je suis certain, si je tape l'ouvri, micro ici en là, je tape jouer en pile en octave 10 blaise, oui, nous pour la paix, oui, nous pour la sécurité. Mais Kounia, c'est comment que nous capote couler? Comment nous capable de bailler support à nous? Parce que, et ça quoi, ouais, à moindre reprise que l'autorité a demandé mariage police-population. Parce que, pour qui ça? Population qu'on est, moun yo. M'a dit, c'est tout côté que population fondamental n'est-ce pas? Non, ça me dit non. Mais il y a des côtés population qu'on est, parce que jeune garçon qui est amené. Mais pas des côtés qui ont gang ou pas besoin d'une quantité de population qui collabore avec n'est-ce pas? L'ivini automatique. Li pas volontaire non en pile fois parce que un groupe nèg qui gè pouvoir de vie et de mort sous moun nan par rapport avec zam ki yo gagné tant que si pas ou appeler d'autres garder dans leur Tibonite comme une petite rivière de leur Tibonite comme il y a un coup qui gagne absence la police là-dedans aujourd'hui a gang qui opéré dans espace c'est lui-même qui remplacer la mairie c'est lui-même qui remplacer DGI c'est lui-même qui remplacer la justice c'est lui-même qui remplacer la police qui ont pral vle pour population ça pas obtempérer en bas l'ordre que gang ça baille. Je dis c'est faiblesse l'état qui permet en pile fois dans quartier côté gang yoyé, gang yoyé révélé tout puissant, bien tout pouvoir sur mon yo. Je dis l'état dit qu'elle veut restaurer autorité pour permettre que gang dispense gain pouvoir sous population qui a payé taxes qui jusqu'à présent a payé tout nèg dans l'état. Pense que c'est ça qui correct. Je dis l'état a cherché rattraper mon yo. Je dis en l'état a cherché les jeunes confiance, population t'est perdue dans force de l'ordre, quelle était la police, quelle était l'armée, quelle était dans le gouvernement. Parce qu'il fut un temps blaise, vous tapez gardé, les bandits ont parlé, population compte plus vite quoi, oui, dans sa bandit ont dit oui, que autorité, oui. Parce que nous t'avons ensemble autorité qui t'est chita sous promesse. Je dis à tout, population besoin, changez camp. Ok? Changez camp, arrangez pour changer camp. Si vous estimez que la vie vous menacez, du conseil bagarre qu'on cap fait c'est quitter zone non parce que ou pas épargné parce que non ben là m'a tout te gagne policier te gagne militaire qui dans opération qui dit gien membre dans population qui tire coup de bouteille yo gien membre dans population qui d'accord ou bien qui joint exigence pour venir participer ou père barbecue depuis le parler il dit peuple y a racher mon avec manchette pour lui parce que remel parce que moi même c'était une vidéo côté monsieur abjouré et David B on artiste. Monsieur a joué David B parce que David B te fait une opinion sous façon monsieur t'a essayé et aborder question et miscadé avec Pierre Espérance. C'est ça monsieur Blier, il parti David B. OK? Elle dit si David B vini, c'est pas même qui a prendre dans Badelma, c'est peuple qui a cap racher avec manchette. Ça veut dire monsieur a confiance et confiance qu'elle gagne c'est parce que monsieur pratiquement hypothéquer la vie mounio, li pratiquement de contrôle mounio en dedans et jodi a bagala commencer à diminuer. Bagala commencer à sortir les vitesses. Mounio commencer à prendre confiance quitte lité Belin, quitte lité Badelma, quitte lité Solino, quitte lité Babetchose, quitte lité Front National. Population paré, population a collaboré et c'est ça qui permet efficacité opération ça. Et population pratiquement besoin continuer et l'autre zone la police pour aller gagner pour y mener opération yo besoin prendre comme modèle Moun Solino qui jusqu'à présent rentré dans mariage police population et ou compte qui côté mariage ça plus belle nous garantis sous blaise mariage police population la plus belle dans département la Tibonite parce que Moun yo parle déjà et c'est habitude que lié Moun yo qu'on habitué faire mariage entre police et population pour déchouquer gang. C'est ça fait que nous, dans le département de la Tibonite, pas qu'attendre que la direction générale recommande dans la police, là, CSPN, là, arrange pour planifier opération dans le département de la Tibonite. Mariage là, Abdel, en pile belle situation.
Et même si on a couru dans Badelma, même si on a couru dans Belé, Blaise, la Tibonite n'a pas couru. Parce que gang ça, il a pratiquement fait toute zone qui entoure mal, tout le monde vit dans mal cité. Et le problème gang dans le département de la Tibonite, il n'a pas même pris en semaine. Tant que j'en ouais opération ça, a fait tout le temps ça, Blaise Fesson. Nous avons une responsabilité pour marcher sur toute gang dans tout le pays. Et moi, c'est ça, comme si je voulais mieux comprendre. Parce que. On est là pour faire éducation mon yo, parce que nous je dis ça. Et je dis à tout le monde d'accord admettre que quelqu'un m'a dit pour que ça c'est seulement Badelma. Et l'autre côté yo, bon, c'est que nous j'ai plusieurs fois la intervention par la police américaine en jeune. Monsieur qui expliquait plusieurs fois raison qui fait que la police pas casse plusieurs fronts en même temps. Parce que gros problème ressources humaines en termes d'effectifs, gros problème tout et en termes de matériel et qui permet que essayer d'intervenir sur plusieurs côtés en même temps, ce n'est pas parce que pas de volonté à nous, mais c'est parce que les moyens sont limités pour le moment. C'est-à-dire, moyens sont limités pour le moment. Mais, Jean que M. Dédilan, il espère que, non, peut-être qu'à venir, il a commencé à gagner des moyens encore plus que ça et qu'à permettre que qu'il réponde adéquat avec sa rélé, ça qu'à passer là dans le pays. Mais, moi-même, c'est que, je dis, motivation ça que qui gagne jodi an est-ce que vraiment que les PM ga ikonite dit l'état dit bandi déposer zam reconnaître autorité de l'état et les que te dit tout nous va faire tout tapement des bandi déposer zam et qu'on les cas privé ba là pas commencer changer phase est-ce que m'ka dit la désir depuis mardi 27 d'août là c'est exactement ça qu'a fait là. C'est là nous capable ouais clairement désir gon mobilisation gon motivation kembe et c'est dans optique ça dans journée qui était mercredi 4 septembre 2024 l'an désir gen un CSPN qui c'est conseil supérieur police nationale qui gen la dans premier ministre Gaye Conti qui à la fois ministre intérieur tout qui gen la dans ministre Justice, non, M. Carlos Hercule, qui est la donne DG à la police Ramon Amil, mettez avec de l'autre chaîne commande dans la police. Non. Et te gagné un commandement force multinationale, non, qui te réuni, dans le jeune mardi, alors mercredi 4 septembre, dans le bureau ministre intérieur, Gary Conti, qui trouvait dans le grand quartier général Chenmas, après midi 4 septembre, non, pour discuter sur plusieurs points qui liés à la sécurité et puis intervention force l'audio dans la bataille pour déraciner gang dans la capitale haïtienne. Ça veut dire, monsieur senti vraiment, l'aime dit monsieur force de l'audio, yo senti vraiment que yo sous bonne voie, que yo sous bonne route là. Elle dit que yo sous bonne voie et bonne route pour que yo capable commencer à joindre des résultats, commencer à joindre des solutions pour aider à résoudre la situation d'insécurité qui est là, situation de misère qui est là, des urbaines. Parce que, il y a un économiste Thomas Lalim qui dit ça. Il dit que l'insécurité est une catastrophe. Et même plus qu'une catastrophe naturelle dans le moment. Oui, je dis ça. Il dit. Les plus qu'on catastrophe naturelle parce que tellement de conséquences, il tellement de impact comme si on ne pas à mesurer qui sa insécurité a fait là comme impact sur l'économie en désir venesse. Entre temps désir, laissez-nous venir avec et visite ça que Anthony Blinken a fait, secrétaire d'État américain a fait, jeudi ça et l'a rencontré autorité haïtienne. Bref, invitez nous tendez et concernant nous Sandra Lemaire, qui est même de la Voix d'Amérique, qui a réalisé une interview avec Andy, sous-secrétaire et hémisphère dans les Caraïbes, M. Brian Nichols, côté que M. parlait en détail sous visite et secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Mais dans la visite, ça, il a abordé questions de sécurité, questions d'élection, et puis il a gardé tout. Dossier 3 conseillers. Louis Gérald Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire, qui n'ont aussi cité dans des scandales de corruption. On va l'inviter à nous entendre ça, et c'est important pour nous entendre
Qu'est-ce que ça désire? La paix. Yon responsable replacé département d'État du VOA, secrétaire d'État Anthony Blinken pral voyager Haïti ak République Dominicaine semaine sa. D'après Brian Nichols, secrétaire d'État adjoint américain pour affaires hémisphère occidental, Blinken pral visiter Port-au-Prince 5 septembre pour faire chita tande avec premier ministre haïtien Garry Conille ak membre conseil présidentiel transition. Le secrétaire pral réaffirmer engagement États-Unis prend pour appuyer peuple haïtien et puis j'ai fort pour tabler sécurité ak la paix en Haïti. Secrétaire Conille à conseil présidentiel transition va discuter tout sous retour Haïti sous chemin démocratie ak besoin urgent pour organiser élection pour peuple haïtien ka déterminer propre avenir palé. Nichols dit États-Unis reconnaître que Haïti prend mesure importante pendant mois qui passé yo met sous nomination yo premier ministre avec ministre cabinet li gen si progrès vis-à-vis insécurité a tant que par exemple ouverture aéroport recommencement vol commercial yo et puis activité économique. Nichols dit mission sécurité Kenya menen ensemble avec la police nationale Haïti a fait progrès tout. Il dit nous constater une augmentation dramatique dans patrouille à coopération qui visait rétablir sécurité à au sens normalité en Haïti. Pendant visite en Haïti, secrétaire Blinken va rencontrer chef MSS là avec PNH là pour souligner engagement États-Unis prend vis-à-vis succès. On va discuter tout sous besoin Haïti dans le domaine stabilisation, développement et assistance humanitaire. Nichols pat répond directement question journaliste yo te posé par rapport à Gwi Kapkouri pour dire comme quoi États-Unis a cherché converti mission MSS là à co force traditionnelle maintien la paix l'ONU. When we had the opportunity to go to Haiti with Ambassador Greenfield. Il dit quoi, là nous te gain opportunité visiter Haïti avec ambassadrice de Thomas Greenfield, le MSS là te commencé déployer et puis faire constat équipement yo gagnen ak base yo opération cap augmenté nous té wè progrès vis-à-vis sécuriser Haïti mais nous besoin wè progrès politique engagement à conseil présidentiel transition priorité secrétaire c'est assurer progrès continuer vis-à-vis organisation élection donc par rapport à ça nous gagne une mission qui efficace jam et qui gagne capacité pour atteindre qualité progrès dans domaine sécurité à que peuple haïtien mérite. Et n'a travaillé avec partenaires internationaux pour établir un cadre qui assure financement nous qui fait confiance et puis disposition à ces mondes pour mission. C'est une priorité et une mission maintient la paix officielle. C'est une façon nous t'as capable accomplir objectif ça. Mais n'a gardé plusieurs options. Nichols dit département défense là bail plus passé 200 millions de dollars pour construction opération ak logistique dans zone côté base MSS là situé. Nichols dit VOA États-Unis continue à encourager pays étrangers pour contribuer l'argent dans trust fund MSS là pour courir mission en plus. Journaliste yo mande tout si secrétaire Blinken pral soulever question responsable conseil là qui indexé dans rapport corruption ULCCA pendant visite li. Certainly the secretary will raise the dis-moi quoi certainement secrétaire pral soulever importance transparence par rapport à accusation qui gen pouwè avec dossier BNCA. Nous quoi responsable haïtien yo doué mener enquête sous ça et puis traîner responsable yo devant la justice. Moi su secrétaire pral soulever question ça pendant li en Haïti. Après visite li dans pays d'Haïti, Blinken pral prend avion pour la République Dominicaine pour rencontrer président Luis Abinader ak responsable dominicain yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Bon, nous dit peut-être bon moi prend ça encore. Bon moi faire mon retendre ça avant que DC nous vienne avec petit commentaire par nous. C'est que mon qui est à peine connecté en retendre dans toute intégralité que interview alors reportage ça qui concerne Sandra Lemaire de VOA Creole qu'il réalisé et ce concernant visite secrétaire d'État américain Tony Blinken jeudi 6 septembre là. En retendre et ben c'est après ça n'a fait au dernier tourner nous pour nous retourner pour nous faire débat sur ça désir. OK, Nalvin Avel. Ouais.
Yon responsable replacé département d'État du VOA, secrétaire d'État Anthony Blinken pral voyager Haïti ak République Dominicaine semaine sa. D'après Brian Nichols, secrétaire d'État adjoint américain pour affaires hémisphère occidental, Blinken pral visiter Port-au-Prince 5 septembre pour faire chita tande avec premier ministre haïtien Garry Conille ak membre conseil présidentiel transition. Le secrétaire pral réaffirmer engagement États-Unis prend pour appuyer peuple haïtien et puis j'ai fort pour tabler sécurité ak la paix en Haïti. Secrétaire Koni à conseil présidentiel transition va discuter tout sur retour Haïti sous chemin démocratie ak besoin urgent pour organiser élection pour peuple haïtien ka déterminer propre avenir palé. Nichols dit États-Unis reconnaît que Haïti prend mesure importante pendant mois qui passé yo met sous nomination yo premier ministre avec ministre cabinet li gen si progrès vis-à-vis insécurité a tant que par exemple ouverture aéroport recommencement vol commercial yo et puis activité économique. Nichols dit mission sécurité Kenya mené ensemble avec la police nationale Haïti a fait progrès tout. Il dit nous constater une augmentation dramatique dans patrouille à coopération qui visait rétablir sécurité à sens normalité en Haïti. Pendant visite en Haïti, secrétaire Blinken va rencontrer chef MSS là avec PNH là pour souligner engagement États-Unis prend vis-à-vis succès. Nous va discuter tout sous besoin Haïti dans domaine stabilisation, développement et assistance humanitaire. Nichols pat répond directement question journaliste yote posé par rapport à Gwi Kapkouri pour dire comme quoi États-Unis a cherché converti mission MSS là à qu'aux forces traditionnelles maintien la paix l'ONU. When we had the opportunity to go to Haiti with about the quoi là nous te gain opportunité visiter Haïti à l'ambassade Griffin de Thomas Greenfield, le MSS là t'est commencé déployer et puis faire constat équipement yo gagné à base opération cap augmenté, nous te wè progrès vis-à-vis sécurisé Haïti. Mais nous besoin wè progrès politique, engagement à conseil présidentiel transition. Priorité secrétaire, c'est assurer progrès continué vis-à-vis organisation élection. Donc par rapport à ça, nous gagnons une mission qui est efficace, jam et qui gagne capacité pour atteindre qualité progrès dans le domaine sécurité que peuple haïtien milité. Et na travail ak partner international yo pour établir un cadre qui assurer financement nou ka faire confiance et puis disposition assez moun pour mission. C'est une priorité et une mission maintien la paix officielle, c'est une façon nou ta capable accomplir objectif ça. Mais n'a gardé plusieurs options. Nichols dit département défense là bay plus passé 200 millions dollars pour construction, opération ak logistique dans zone côté base MSS là située. Nichols dit VOA États-Unis continue encourager pays étrangers pour yo contribuer l'argent dans trust fund MSS là pour courir mission en plus. Journaliste yo mandé tout si secrétaire Blinken pral soulever question responsable conseil là qui indexé dans rapport corruption ULCCA. Pendant visite li. Certainly the secretary will raise the. Il dit moi quoi certainement secrétaire pral soulever importance transparence par rapport à accusation qui gen pouwè avec dossier BNCA. Nous quoi responsable haïtien yo doué mener enquête sous ça et puis traîner responsable yo devant la justice. Moi su secrétaire pral soulever question ça pendant li en Haïti. Après visite li nan pays d'Haïti, Blinken pral prend avion pour la République Dominicaine pour rencontrer président Luis Abinader ak responsable dominicain yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Désir, ma konnen sou konti a jou a fè parce que nous pral vini avec ministre des Affaires étrangères haïtien Dominique Dupuis et sou question li même li parlait de Brésil qui voulait envisager venir de Haïti en tout, ba Haïti bourat parlant. Et pour qu'on va venir avec ça, par contre, soit font un jour, bien on dit et on dit appréciation, bien par contre, de ça et sous visite Anthony Blinken non, et de ça qui dit bon côté Brian Nichols non. Bon, Blaise, nous croyons que en pile fois, nous venons là depuis les annonces faites, n'a analysé et dit fois ça et quand comme devenir bagarre dépassé, surtout dans ça qui concernait
et scandale corruption dans le Conseil présidentiel de transition, que tes trois membres impliqués et soient exigés et président conseil d'administration et BNC dans le moment avant eux, on a parlé de Raoul Pascal Pierre-Louis, qui t'a dénoncé ça. Et l'autre bagaille qui dit dans la question, qui montrait qu'il y a quelques avances qui lui fait, c'est question et crédit 4 qui baille. Et Anthony Blinken, pour le questionner ça et pour le demander de transparence. Et ouais, et Brian, mettez accent sur ça, Blaise Peterson, pour le montrer que il doit aller à la justice pour lumière faite sous question. Ça veut dire, ce conseil présidentiel est qui censé pas exister encore, Blaise Peterson. Si vous voulez comprendre, pas oublier qu'il y a un conseil qui a 9 membres là-dedans, qui a 7 personnes qui ont voté, et 3 personnes, ça y est, ils ont pratiquement fait partie 7 personnes qui ont voté. Yeah, non, alors c'est oui, 7 personnes qui ont voté, et puis une majorité 5 qui dégage dans le mi-temps encore. Oui. Et la majorité de 5 là, il y a 3 dans l'ex-sap qui est impliqué dans le bagage là. Bon, je veux dire, on va priver comprendre, dans la majorité 5 qui a besoin, dans 7 qui ont droit de vote là, il y a pratiquement 3 là-dedans qui allaient dans le scandale de corruption. Qui vient rendre que le conseil présidentiel là, il trouvait dans une situation très difficile, même pour encore, et 3 avril 2024 là. Ça veut dire, ensemble des décisions qui prennent là, c'est soit tranché. Si vous mettez de côté pour chercher vérité, de toute façon, le conseil là a bien problème quand même. Si vous demandez, mettez monsieur Sayo en côté pour nous réfléchir, pour nous chercher, pour nous mener enquête. Combien de temps que l'enquête a dire? Enquête sous corruption, il pratiquement un long parcours, il ont une longue durée. Ça veut dire, pays après le campé, il a obligé de retirer M. Sayo. Est-ce qu'elle pourra le faciliter? Il a choisi trois autres monde pour venir mettre. Est-ce que c'est même parti politique Sayo, même organisation qui a voté ensemble trois braqueurs Sayo, pour si nous croyons ça, Raoul Pascal te dit, est-ce qu'il a pris trois autres braqueurs? Parce que Bagala c'est dans ADN parti politique. C'est dans ADN organisation qui Bagala. Parce qu'en pile, l'on est préparé, parce qu'on dit qu'il y a une ère électorale, il a préparé l'élection, il a cherché l'argent de toute manière, de toute gens, il a exigé pour l'argent sortir de tous côtés. Et nous garantissons, Blaise Peterson, et ça, après Anthony Blinken qui vient sortir d'Haïti, au cap saisi, il y a des nègres qui te pote tête aller dans le conseil présidentiel, là, des structures, organisations de partis politiques, malgré qu'il y a des ministères dans le même, au cap saisi, qui ont envie d'inviter la population à venir prendre là, oui, encore. On est d'accord, Moïse Jean-Charles. Ou quand c'est dit, Moïse, cap mandé et pour population, parce que vous prenez une décision qui va prendre la concerner, Petite Dessalines, parce que Emmanuel Ventilaire, il fait partie, trois conseillers présidentiels qui pratiquement dans l'obé là. Est-ce que Claude Joseph a pris l'arrière par rapport avec un dossier de justice, il y a des questions qui viennent, est-ce qu'il a pris le fois ça, parce que il y a une responsabilité, l'État a pris là pour tout le monde, cap sur terrain, on est dans le pays, quel ténèque qui a cravate, quel ténèque qui a sapate. Même quoi qu'il va la prendre direction très sérieuse, et gardez. Il y a tout que Anthony Blinken a vu là, il pourra le garder avec mission MSS1 et la police, parce que Normile Rameau a participé dans la rencontre là, a bien responsable mission multinationale là, Godfrey Otunge, qui est responsable mission au pays Kenya, qui a là, il pourra le discuter et puis et mettre devant Anthony Blinken, qui pratiquement, c'est, tant qu'on tout en dit, il a parlé ensemble, ou t'as qu'à dire, c'est un petit Biden dans le moment qui a rentré en Haïti. C'est comme si c'est Biden qui débarque en Haïti. Vous venez prendre doléance. OK? Pas oublier, nous parler des questions moyens aériennes qui permettent une opération efficace. Quel est l'hélicoptère de combat? Quel est le drone tactique qui permet l'opération? Ensemble, ça, sans doute, vous prenez sur table là devant Anthony et Blinken pour aller côté pratiquement par l'administration américaine, Joe Biden, pour prendre une décision sur ça. Et sous table là, pas oublier que la fin sortie à Haïti, faut qu'il aille en République Dominicaine, pas oublier problème qui présente là. Amnesty International déjà ramené République Dominicaine à l'ordre, sous façon qu'il a traité compatriotes haïtiens, sans doute autorité qui pourra le rencontrer avec Anthony Blinken en Haïti, parce que qu'on est le bras de la République Dominicaine, il y a gagné une doléance qui a pas sous question ça. Et problème insécurité, que aussi que les armes qui traversent la République Dominicaine, cartouches qui sortent en République Dominicaine par frontière, pour entrer là, la situation n'est pas trop doute que ça sous table. On revient avec Dominique Dupuy, qui est même jeune dédié ministre des Affaires étrangères haïtien, qui était accordé une interview avec confrère Nouyo dans Radio Caraïbe, Télévision Caraïbe, qui matin, qui était mercredi et 4 septembre 2024 l'an, et qui parlait sur divers dossiers. On nous permet qu'il est capable d'attendre lui. Et un bon parti dans l'interview, parce que il est vraiment long, qu'il n'a pas attendu tout, mais il a attendu l'essentiel de ça, qui dit à côté ministre Anthony Blinken, alors ministre, pardon, Dominique Dupuy, qui est ministre des Affaires étrangères et d'Haïti. Bonjour Caraïbes, bonjour à tous auditeurs et auditrices.
a commencé d'emblée depuis le gouvernement Gary Conille prend pouvoir, donc la presse et les mondes considérés que c'est un ministre qui est actif dans le gouvernement. Et première action au Téprin, c'était rappelé en pile. Oui, je me tourne avec ça. Je me tourne avec ça là. Et vraiment, je me tourne avec ça. Gary a fait premier pion sur la République dominicaine. Bon. Une décision République dominicaine, non? On regarde pour nous. Il est diplomate qui était impliqué dans des actes de corruption, résumé en tout cas. Et hier, lundi, ULCC l'a publié et transmettre officiellement bah, la justice ces rapports côté demandé pour mettre action publique en mouvement contre 13 anciens diplomates qui sont pensés dans des décisions comme ça. Alors, juste pour nuancer, rappel nous t'es lancé, nous n'avons pas préjugé personne. Donc, et le travail ULCC gain pour le faire, son travail que l'a fait de façon autonome, indépendante. Par exemple, pas gain aucune communication entre ULCC et MAE pour nous connaître qui ça rejoindre, qui ça pas rejoindre. Nous apprenons ni même gens avec le grand public que tu gain 13 anciens diplomates rappelés qui fait partie de monde qui pas fait déclaration patrimoniaux. Donc moi même pas gain opinion pour me gain par rapport à travail et enquête ça qui est en cours d'ailleurs parce que ils ont insisté que c'est seulement premier et révélation que yo joine, on connaît que gain travail là qui va continuer, gain des documents que demandé nous partager avec yo. Et donc moi saluer travail ULCC faire et c'est pour ça au cas où que nous te font injonction pour nous demander tout et diplomate yo fait déclaration patrimoniale, c'est ça la loi mandé yo et ministère là pas là pour le temps pour diplomate là faire erreur et puis pour après yo puni li, li là pour essayer encadrer diplomate là au maximum pour éviter justement tomber dans erreur parce que ça qui est important pour comprendre et guerrier son bail comme toujours dit. Tout poste qui a un privilège vient avec responsabilité. Et moi-même, comme ancien chef mission, je dis que nous jouons un pile privilège. Mais il y a un pile responsabilité qui vient avec poste là. Et il faut toujours dans l'équilibre tous les deux. Ou jouer privilège là, mais ou répondre à la responsabilité, tant par rapport à pays que par rapport à la loi. Alors, le ministre a annoncé plusieurs réformes dans le ministère des Affaires étrangères pendant la discours installation. Je dis à qui j'en réforme ça, oui, qui j'en a pas avancé. Bah ça n'a bien avancé, nous ka connaît tout nous t'ai déposé des instruments juridiques et qui t'a censé adopter bientôt. Nous déjà gagné un premier retour de primature là. Donc c'est un signal que processus là en cours pour que nous quitter des bagages qui pérennes, c'est pas seulement faire une réforme dans action mais son réforme qui ca arrêter de façon pérenne et durable pour ministère là demain l'homme parle encore les un nouveau ministre qui a bâti sous lit et créer un cadre légal tout côté diplomatique qui a rejoindre tête yo. Pour c'est pas seulement et orientation ministre là qui décide direction ministère là mais que ministère là en lui-même il a une fondation et on base qui permet tout diplomate connaît règles du jeu yo. Donc c'est un peu et là nous y je pense que signal là très bien reçu par population hein. Et diplomate yo même c'est sûr que nous non en période tout changement provoque une certaine instabilité mais et ambition hein, et je pense que nous pas de décourager il faut nous continuer ambition hein, c'est justement pour que nous et tirer ça pas bon qu'aimer ça qui voulait travailler qui peut-être ca cacher en bas ça qui a fait ça pas ta doué à faire et essayer mettre moun ça yo parce que nous gagne de très bons diplomates qui voulait au service pays yo mais qui peut-être manquer orientation et manquer capacité pour percer tout. Et concernant plan 50-50, ça veut dire une sorte de égalité garçon femme dans diplomatie hein, vous sentez sous bonne route là? Comment ça a marché jusqu'à présent? Alors, ça, ce n'est pas une décision que moi-même j'ai pour me défendre. La recherche montre de pour mettre les femmes en position de pouvoir, de décision, processus décisionnel, li, plus en rapport avec qui ça qui est bon pour intérêt commun. Donc, là, on prend une femme dans la diplomatie et pour mettre le chef de mission ou rapprocher ou demander des questions d'État. Et ou éloigné de questions d'intérêt personnel. Donc c'est pas moi-même qui dis, c'est à travers un paquet de recherches qui fait qui montrait que leadership féminin a une capacité ça. Ça pas veut dire que garçon pas doué dans poste leadership, mais équilibre c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ou vinn servi en vision qui sont vision que nous doué défendre qui c'est égalité des genres que premier ministre me défendre de façon très sérieuse et nous elle dans égalité et des genres que lui montrer et dans cabinet que li publié a nouvelle dans ministère régalien yo que li proposé deux ministres femmes pour deux ministères régaliens
Et je pense que c'était normal et c'était bon moment pour que nous fassions place pour les femmes haïtiennes. Et je dis nous, ce n'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu. Au niveau international, ça fait un pile bruit de façon positive. Ils ont surpris. Et même au Brésil, parce que nous parlons sur le Brésil sûrement tout à l'heure. Et au Brésil, ils ont dit, mais nous inspirer. Je rencontre des responsables de l'Institut Rio Branco, qui est l'Académie diplomatique. Ils ont dit, nous, qu'on y a ou ben nous en bord pour nous suivre. Pour que nous arrivions à l'objectif ça à tout, parce que mesdames, yo gain place dans le poste leadership yo, et me pensais que et jusqu'à présent il a fait preuve. Mm-hmm. Alors dans ça qui gain avec formation, nous avons annoncé que gagnion partenariat de la radio entre l'académie Jean Price Mars et Corpua. Et qui ça avance dans moment ça? Son protocole qui parle signé jodi a, nous très content parce que protocole ça parle permettre nous faire un paquet de bagaille. Premièrement, il va renforcer l'académie hein, et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'académie qui décentralisé, qui équitable, qui permettent tout le monde gon chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince m'était annoncé le MT fait entrevue en an métropole que c'est un bagage que nous t'ai voulu faire qu'on y a annoncé que le bral fait dès aujourd'hui le bral est officialisé côté que concours yo bral organisé par Corbua à travers tout 10 départements yo et bourse que nous recevons yo côté que c'est ministère là qui gain pouvoir discrétionnaire sur qui est-ce qui bénéficie bourse yo ben nous pral déléguer et on partie autorité ça pour que nous décider ensemble avec Corpua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corpua mes responsabilités à mes ballons hein, c'est que académie vient faire partie à part entière de Corpua donc c'est une décision qui vient à faire collégialement et c'est ça qui est important ça veut dire il pas mettre sous côté dans parler de académie du tout hein. Du okay. Tout au contraire il vient et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux partenariat avec Corpua cap signé jodi a son un partenariat de fait parce que Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions il répond nous que désormais nous membres à part entière qu'on y a protocole là pas seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corpua notamment concours et puis et gestion boursière et aussi tout et ça me très content de l'annoncer comme Monocap et diffusion cours que l'académie a bail notamment dans master que est accessible dans université publique yo et c'est l'université publique du Nord qui prend la première université qui prend le gain capacité pour lui et diffuser pour ça yo. Donc ça veut dire un étudiant ou étudiante qui est dans le Nord il pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous même moi femme dit nous femme saluer monsieur Corbuya yo parce que particulièrement président qui présentait nous semaine dernière une vision très moderne de ça yo voulait faire un partenariat avec l'Académie Jean-Price Mars là et notamment des cours à distance avec des professeurs qui dans diaspora qui a fait des échanges d'expérience des anciens diplomates des sommités yo vraiment gain une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants yo et permettre yo rentrer dans l'air du temps. Alors lundi 5 août 2024 là dans nos ministères affaires étrangères ont soumettre 5 ou 6 instruments juridiques qui ont rapport avec réforme diplomatie haïtienne qui t'a dû adopter dans conseil ministériel comment ça a marché j'aime dis nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primatiolan de services juridiques primatiolan et nous va l'accommoder et il y a des remarques bien entendu très pertinentes. Et une fois que nous finissons avec ça, nous espérons aussitôt que la semaine prochaine, nous allons proposer des textes pour adoption. Mm-hmm. Dernier déplacement, vous êtes dans le pays Brésil, vous êtes en tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères. Et quel est l'objectif principal et voyage ça? Et qu'est-ce que vous avez pour Haïti? Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais comme dit nous, je ne pense pas qu'en Haïti, nous obligés de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Hein. Et aujourd'hui, nous avons dit son pays qui est extrêmement important dans le monde, qui convoit, et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et l'été important, si nous regardons les feuilles de route et le gouvernement qui publie, l'été important pour que nous regalvanisions le soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons, et son désengagement que parfois est qualifié de Haïti fatigue, parce que dit Haïti toujours en crise, le pays dit que investit en Haïti, il n'y a pas de investi. Et puis, il y a des vagues. Faut, dans le même contexte, il y a environ 60 conflits dans le monde, 60 situations qui ont sollicité l'attention de la communauté internationale. Et parmi lesquelles, nous connaissons une qui est importante, c'est en Ukraine qui prend toute attention, surtout et l'Europe. Il y a des situations au Proche-Orient,
ou gen situation au Moyen-Orient, excuse-moi, ou gen situation et qui nan pays afrikyo et là ou est Soudan par exemple et qui mandé en pile attention de communauté internationale là Haïti on ti gens invisibilisé blié. OK, il était important pour que nous aller à la rencontre de pays dans région que nous senti qui t'a aider nous dans plaidoyer que n'a fait surtout à la veille de assemblée générale là pour que nous river avec une position harmonieuse de cohésion de solidarité régionale pour que nous mandé corré effort que gouvernement a fait en Haïti pour que nous couper insécurité à grand goût et question sanitaire là. Donc c'était il pas même question que Brésil t'est doué premier mission que m'était allé là-dedans pour que nous mobiliser pour que nous al coûter tout qui ça au café avec nous qui partenariat nous ca dégager mais qui ça nous même nous ca faire qui puis bien tout pour que comprendre besoin population et haïtienne et m'ca dit nous que m'extrêmement satisfait de mission ça hein? Extrêmement satisfait de rencontre que m'fait yo et ça nous déjà connaît qui déjà public d'ailleurs le Brésil communiqué sous lit c'est que coopération va renforcer de façon considérable. Parce que ça qui est important pour nous songer, ce n'est pas seulement sous plan sécuritaire pour nous avancer une fois. Pour quoi il faut nous avancer sur tout plan à la fois. Donc, là où il y a un problème sécuritaire, il faut tout adresser problème crise humanitaire que le pays a traversé dans tout département. Parce que nous connaissons que nous avons un seuil grand goût, un seuil de la faim que nous atteignons à un niveau sans précédent. Nous connaissons que nous avons des facilités que nous n'avons pas gagnées au niveau de capacité pour nous répondre à la crise sanitaire. Tout centre hospitalier qui inopérant qu'on y a à cause de la crise sécuritaire. Il faut nous avoir des partenaires qui aident l'État à renforcer la présence au fur et à mesure que nous avançons sur le plan sécuritaire. Là. Parce que nous n'avons pas fait sans l'autre. Et le Premier ministre l'a dit tout le temps, stratégie n'est pas que nous tenons que la sécurité en réglée pour après nous dire « Oh, oh, il va nous avoir tel problème, il va nous avoir tel problème, on va se sous tel problème. » Nous obligés de faire en même temps. Donc, l'organe toute série de rendez-vous que nous avons pris, c'était des rendez-vous pour relancer une coopération dans plusieurs secteurs qui permettent l'État de renforcer pour prendre responsabilité dans tout le pays, pas seulement dans la zone métropolitaine. Non. Il y a des projets que je tournais avec qui concernaient l'Antibonite, qui concernaient le département du Nord, qui permettent l'État de renforcer au fur et à mesure que nous avons fait des avancées dans le domaine de sécurité. Là. Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour un gouvernement de transition, gouvernement Sako Ladalan. Moi, pour nous avons rencontré avec le président tribunal suprême électoral brésilien. Une collaboration nous qu'a espéré pour soutenir le processus électoral là et pas Moïse. C'est une priorité absolue et réunion ça a été extrêmement intéressant et moi rencontré avec président là et ça moi ouais c'est que gien ont soif d'aider Haïti sur question électorale là. Li promet nous en visite côté que li ka vinn re-rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après tremblement de terre là, qui était là en 2016 et après avant dernière élection yo et qui fait des promesses ou prend des engagements pour un accompagnement très important guerrier. Le Brésil journée jodia c'est un modèle en termes d'élection et surtout au niveau numérique. Li montre nous application côté brésilien qu'a utilisé pour voter pour connaître résultat vote dans 6 heures de temps avec 160 millions d'électeurs. Désir parce que n'a quitté reste pour l'autre émission parce que là on est la fin de la guerre. Mais ça l'a dit vraiment ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy qui lui-même était pas dans le pays hein, et qui t'a rencontré autorité brésilienne yo il discutait avec yo quand dit qu'on pas Québec qui discuter qu'on pas Québec qui dit en tout cas était bon pour nous garder les yeux. Merci mon frère pour content gain qui choix qui porter pour la caille moi bon autant des bagailles on dit que projet là pour la Tibonite en tout cas était bon pour nous garder. Merci tout le monde, rendez-vous cassé pour mi-temps journée en émission parler pour changement. N'a pas des amis continuez like partager qui en commentaire ici n'a pas tomber sur médias ça mais ça nouvelle blaise faut pas une nouvelle votre calbasse info racine nouvelle Haïti abonnez avec nous et activez cloche notification pour pas jamais rater rien dans émission. Merci Désir, n'a croisé mon frère.